coucou à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Et nous allons commencer avec l'oracle de l'équilibre et des émotions. Donc je vous montre la petite boîte. Donc le voilà. Alors allons-y pour vous les Verseaux. Semaine du 15 au 21 avril 2024. Alors, quel va être ce message? Alors, on va prendre trois messages et le dos. Trois messages et le dos. Je vais prendre ce message. Il voulait venir, donc je le prends. Et allons-y. Donc, deux messages et le dos. Alors, deuxième message, troisième message et au dos, nous avons le dernier quartier. On a le lâcher prise. Dernier quartier, le lâcher prise, on parle de méditation, d'apaisement et nous avons la pleine lune. On parle de puissance avec la pleine lune, de réalisation, de manifestation. La pleine lune, c'est quand? Je regarde. Alors, la pleine lune. La pleine lune, c'est le 23. C'est le 23 avril. Hein. Ok. Nous avons la transformation. Donc, on parle d'une manifestation dans votre vie qui va permettre une transformation. On parle d'apaisement, de lâcher prise. Hein. Et nous avons la liberté. C'est plutôt positif, là. Hein. On se libère de quelque chose, les Verseaux, par rapport à cette situation. Alors, on parle d'un rendez-vous, on va conclure. Hein. Alors, manifestation qui va permettre une transformation par rapport à votre... Par rapport à votre situation. Et on va prendre l'oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, c'est les péripéties de l'amour. Donc, vous pouvez retrouver son oracle hein, soit sur Etsy, soit vous prenez contact avec elle. Hein, le nom de sa chaîne, hein, c'est... Au petit bonheur, la chance d'y croire. Alors, qu'est-ce que nous avons là? C'est marrant, on a encore parti, elle s'était retournée tout à l'heure. Rejoindre, partir. J'ai quelqu'un qui va vous rejoindre, en tout cas qui est sur le départ là pour moi. Et on vous dit que c'est un souhait hein, qui va être réalisé. Et on parle que, on parle d'un secret qui est protégé. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on vous dit votre secret est protégé. Vous avez un souhait. Peut-être que vous gardez ce souhait, en tout cas, secret. C'est ce souhait de réaliser, hein, peut-être, le fait de pouvoir rejoindre une personne. Alors, allons-y, on va voir ça. Il y a une notion d'aller rejoindre cette personne. Peut-être que ce n'était pas forcément évident ou possible. Hein. Ou cette personne, hein, on a toujours ce souhait. Ou c'est cette personne hein, qui souhaite vous rejoindre. Mais voilà, il y a peut-être eu un blocage, il y a peut-être eu un empêchement. On parle de souhait, on a la communication. On a l'impatience. Là, j'ai l'impression qu'on dit ce souhait va se réaliser. Donc, soyez pas impatient. Laissez hein, les choses se faire hein, tranquillement également. C'est peut-être quelqu'un hein, qui est déjà engagé hein, et qui va se libérer. Il y a une transformation. En tout cas, on a encore cette notion. Hein. On va conclure. Hein. On a la légèreté. On parle d'avancer. Et on a l'observation. Pour moi, c'est le côté observation, là. Donc, pour moi, on vous dit, voilà, il y a quelque chose de positif. On vous dit d'être en confiance, d'être
d'avoir la foi dans cette situation, il y a bien une issue favorable. Et on vous dit bien, alors peut-être que vous êtes impatient ou impatiente à vivre cette situation. On parle de discussion, peut-être autour d'un voyage, peut-être que vous souhaitez simplement voyager. Mais il y a alors la légèreté, là, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Il y a un oui. On vous dit d'être plus souple. Hein. Peut-être dans cette relation, les choses vont avancer, mais j'ai envie de dire, voilà, peut-être pas au rythme que vous aimeriez, mais les choses avançant. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit, observez finalement, regardez, les choses avancent, les choses évoluent. Alors peut-être doucement, peut-être trop doucement pour vous, mais voilà, ça doit se faire ainsi. Alors, discussion. Ragot. Peut-être qu'on se raconte des mensonges là. Peut-être qu'on... Alors, j'ai cette notion de... Peut-être de faire des hypothèses. Oui, cette personne n'avance pas ou elle veut pas me rejoindre parce que... Et on fait des hypothèses. Alors que... Et du coup, on peut se raconter... J'ai quand même affaire à des personnes, j'ai quelqu'un d'impatiente par rapport à cette situation. Observez. Ben, c'est peut-être tout simplement observer un petit peu la situation et voyez finalement quelles sont les contraintes peut-être pour l'autre. Il y a peut-être cette notion aussi où on a envie de voyager, mais peut-être que l'autre n'est pas dans la possibilité pour l'instant financière, hein, de faire ce voyage avec vous. Ou tout simplement de déménager, d'emménager avec vous parce que, voilà, il y a peut-être tout simplement un blocage financier. C'est oui, moi j'entends que c'est oui, mais pas pour l'instant. C'est pas pour, maintenant. Alors, retour. J'aimerais bien savoir c'est quoi ces ragots. Ah, on pense que cette personne... Alors, pour moi, là, on se trompe. Il n'y a pas de relation secrète. Pour moi, c'est vraiment une histoire de situation financière qui ne permet peut-être pas à l'autre soit de vous rejoindre, soit d'emménager avec vous, soit de venir, s'il y a une distance géographique, soit de venir vers vous. Alors, j'ai cette sensation, alors on communique beaucoup, ça fatigue beaucoup. Cette personne, voilà, elle vous dit, on va conclure, ça va se réaliser, mais vous êtes fatigué d'attendre peut-être. Ou c'est peut-être l'autre qui est fatigué de vous attendre parce que vous pouvez inverser la situation. Il y a un réveil. Il va y avoir un rendez-vous. Confiance. Alors peut-être que cette personne, des fois, elle est maladroite. Par rapport à quoi? Elle se prépare. Elle se prépare, elle est maladroite. Mais elle a confiance. En fait, j'ai l'impression que peut-être que vous épiez cette personne et vous voyez qu'elle s'amuse, qu'elle est libre. Il y a peut-être cette notion de lui faire ce reproche. Pour moi, il y a peut-être une distance géographique entre vous. On se rebelle. On est fatigué d'attendre. Peut-être. Ouverture. Le souhait. Tout simplement le souhait. Les nouvelles.
Peut-être que cette personne, elle est en train de remettre peut-être aussi hein, de l'ordre tout simplement dans sa vie. On peut parler hein, de... J'ai vraiment cette notion que cette personne, elle est en train de préparer, de faire des choses. Pour moi, il n'y a pas de relation forcément secrète là. En dos, nous avons quoi? Je vais prendre mon oracle. Hein. J'ai quelqu'un qui a besoin de prendre son temps là. Elle a le désir de quoi, cette personne? On a l'impression que cette personne, elle nous ment, elle ne nous raconte pas la vérité. Et j'ai pas l'impression qu'elle vous mente. Alors, je vais prendre mon oracle, on va aller voir ça. Elle est plutôt en train de remettre de l'ordre. Oui, effectivement, elle cache peut-être qu'elle n'a pas été toujours dans la stabilité dans sa vie. Qu'elle a peut-être rencontré des problèmes. Émotionnel, sentimental, peut-être même voilà des problèmes financiers. Elle remet de l'ordre. Pour l'instant, pour elle, elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps pour avancer vers vous. Alors, il y a bien des secrets, mais je pense que les secrets, c'est pas une histoire de trahison ou de relations secrètes. C'est vraiment plutôt des problèmes personnels avec elle-même. Et elle veut, hein, elle veut faire ce voyage vers vous. Elle veut cette vie ou en tout cas cette aventure avec vous. Mais il y a des petites choses à régler avant. Alors, à la coupe, nous avons. On a la solitude. On parle de choix. J'ai quelqu'un qui voilà, a besoin de temps pour soi, pour réfléchir, pour remettre de l'ordre, pour méditer aussi hein, sur les changements à effectuer. J'ai une personne aussi qui a besoin de prendre son temps pour apprendre à connaître l'autre avant de prendre une décision. Il y a une histoire de dépendance, peut-être dans le passé, hein, et peut-être que c'est en cours hein, de guérison. Elle est en train de retrouver un équilibre, cette personne, mais là, elle est vraiment, elle est encore hein, dans cette transition hein, de retrouver hein, cette stabilité dans sa vie. On a le signe des Gémeaux, Vierge, Capricorne. Et Verseau. Ouais. Mais elle a envie de réaliser ce projet avec vous. Et pour l'instant, c'est bloqué. Il y a un truc qui bloque. Hein. Alors, elle dissimule bien quelque chose. Ça, c'est certain. Cette personne vous dissimule bien quelque chose. Mais c'est plus par rapport à elle. Soit à son état émotionnel. Hein, soit, voilà. Elle a des problèmes, soit peut-être financiers, soit un problème matériel. Elle a un problème, elle est en train de mettre de l'ordre. Elle essaye de trouver une solution. On vous dit bien, cette personne, pour moi, elle est fidèle. Hein. Ouais. Et on parle hein, d'un grand... Il y a un grand oui, il y a une belle évolution qui aura lieu. Mais elle a besoin de temps, cette personne. Il y a un truc... J'ai l'impression qu'elle se bat peut-être avec elle-même aussi, hein, par rapport à une situation. Ouais. On parle bien de choix. C'est un choix peut-être délibéré tout de même, hein, de dissimuler certaines choses, parce qu'elle n'a pas envie de montrer, hein, forcément. Elle vous fera des révélations. Pour moi, elle attend. Elle vous dissimule quelque chose qui peut être, pour elle, qui peut lui sembler être un frein à cette nouvelle, relation.
Et qu'est-ce qui peut être un frein? Manque de clarté. Ben, moi, j'ai l'impression que, de toute façon, si votre relation... Et au début, alors, j'ai vraiment quelqu'un qui va prendre une décision de toute façon, d'un renouveau dans sa vie. Avec le jugement, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On peut parler d'une sanction, hein, cette personne est en train de... Elle est peut-être dans la peine morale ou une peine... Elle est peut-être en train de finir une peine, tout simplement, j'entends. Elle attend peut-être d'être libérée d'un endroit, d'une situation. J'ai l'impression que cette personne attend d'être libérée pour pouvoir y voir plus clair, hein, voir où est-ce que votre histoire, hein, jusqu'où elle peut aller. Alors, elle vous dissimule peut-être ça. Hein. On va aller voir ça. Moi, il y a quelqu'un qui attend une libération, qui attend, hein, qu'il y ait cette transformation, de se libérer, mais elle vous le cache, ça. Elle vous le cache. J'ai bien une libération, en tout cas une guérison de la situation. Il va y avoir un changement, hein, par rapport à votre foyer. Les révélations là. Cette personne, de toute façon, elle vous dira la vérité. Mais quand les choses auront commencé, ben, quand elles seront sur le point de commencer, elle vous dira la vérité. Il y a un truc qui bloque pour l'instant. Peut-être une histoire de justice. En tout cas, pour l'instant, cette personne n'est pas en situation stable, hein, pour pouvoir finalement. Moi, j'ai l'impression que peut-être que vous vous êtes même pas rencontrés encore physiquement. Vous communiquez beaucoup, mais il n'y a pas eu encore de rencontre. Il y a quelque chose qui bloque, qui empêche cette personne de venir à vous. Alors, je vous dis, hein, elle se sent coincée. Alors, soit elle est hospitalisée. On peut parler aussi, ça peut arriver à hein, une personne qui a une peine, voilà, une sanction hein, du côté pénitentiaire, mais j'ai pénitentiaire, mais j'ai cette sensation aussi, c'est peut-être tout simplement, bah, matériellement, elle est dans l'incapacité de pouvoir venir vers vous. Pour l'instant, c'est un peu compliqué pour, je sais pas, acheter une voiture ou pouvoir financer, je sais pas, un billet de train, vous voyez par rapport. Mais il y a quelque chose qui bloque cette personne. Mais ça va changer. Oui, on vous dit lâchez prise, soyez pas triste. Les choses ont changé. Hein. Il y a vraiment, voilà, c'est. Il y a quelque chose qui va se transformer, mais quand cette personne sera libérée. Donc voilà. Et elle vous dira. Elle vous dira, le but, c'est pas de vous dissimuler hein, ou de vous cacher ça toute la vie. Je pense que peut-être que justement, elle attend d'être libérée et pouvoir vous le dire de face à face, justement. Pouvoir vous expliquer hein, les choses avec ses mots, ses... je pense que c'est ça aussi. Ouais. Oui, pouvoir voilà, exprimer ses émotions, sa sensibilité. Mais pour moi, je pense que cette personne, elle se dit, je ne peux faire... je peux... dévoiler tout ça que en face à face. C'est pas possible sinon. Donc là, on vous dit bien de lâcher prise. Il y a bien une guérison. J'ai bien quelqu'un qui va se libérer d'une situation difficile, compliquée. Elle vous expliquera les choses avec ses mots, ses émotions. Mais elle y tient en tout cas. On a les signes. Alors, des Capricornes, Sagittaire, Gémeaux, Balance. Il y a un dernier petit message. Oui, on vous dit que, voilà, chance, petit bonheur. Faites confiance. Hein. Faites confiance. Et on vous dit, hein, voilà, ayez foi.
ayez foi en cette situation. Coupez avec tout ce qui est négatif. J'ai une personne qui est en train de tourner le dos aussi à son passé. J'ai envie de dire, c'est comme si elle prenait de nouvelles résolutions, cette personne, dans sa vie aussi. Vous savez, c'est comme en début d'année quand on décide, voilà, tiens, cette année, je me décide, voilà, de faire tout ce que je n'ai pas fait l'année dernière, d'aller à la salle de sport ou, voilà, d'envisager de trouver un nouveau travail parce que je me plais plus. C'est de nouvelles résolutions dans sa vie, là. C'est carrément, hein, voilà, elle veut laisser un passé derrière elle, hein, pour prendre, voilà, un nouveau départ. Mais elle souhaite vraiment, hein, ce nouveau départ, hein, pour moi, et c'est avec vous, les Verseaux. Donc voilà, on va continuer avec la voie astrale. Hein. Alors, c'est l'oracle de la voie astrale et on va prendre quelques messages pour vous, pour finir cette guidance, les Verseaux. Alors, semaine du 15 au 21 avril 2020. Hop là, je vais l'enlever avant qu'elle brûle. On a le signe du cancer. Hein. Alors, je vais les remettre. On a le signe du cancer que... Pardon. J'ai... alors, le message, pardon, hein. Excusez-moi, j'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. On vous dit en tout cas d'avoir foi en cette situation. J'ai cette notion de... d'amour, de partage aussi, hein, qui est présent. Soyez serein, les Verseaux. On a Mars rétrograde. Je transforme ma frustration en motivation. Alors, Mars. Peut-être qu'on vous dit d'essayer de contrôler votre impulsivité, en fait, là. Mes lunettes roses entravent ma vision. Ouais, c'est... On se rend pas compte que, pour vous, c'est peut-être que... Pourquoi cette personne prend du temps à avancer, à venir vers moi? Tout simplement parce que vous n'avez pas tous les... Mais parce qu'elle vous dissimule, en fait, ses problèmes, cette personne. Elle a... Oui, peut-être que quand vous discutez, quand vous communiquez, ou voilà, quand vous discutez, ou même quand vous voyez, hein, si vous voyez, peut-être que, en apparence, vous pensez que cette personne, tout se passe bien dans sa vie. Et en réalité, elle vous dissimule, ben, peut-être de gros problèmes, quoi. Et elle, en tout cas, il y a cette notion, elle met de l'ordre, en tout cas, cette personne. Nous avons la part de fortune. Je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Parce que pour moi, cette personne, elle vous apporte du bonheur. Mais comme vous souhaitez beaucoup plus et beaucoup plus vite, du coup, oui, vous ne prenez peut-être pas conscience que la relation, vous pouvez la vivre déjà dans pleinement et puis dans le bonheur, quoi. Et on vous dit bien, votre souhait va être réalisé, mais il faut être patient. On vous dit une leçon de vie avec Saturne. Frappe à ma porte. Et nous avons la maison 10. Je stabilise mon rôle social. On vous dit, hein, c'est une situation qui va peut-être demander, voilà,
un certain temps, entre 3, 6 mois, voire peut-être même jusqu'à un an. Hein, pour trouver une certaine stabilité. Oui, alors vos émotions aussi, on vous dit, écoutez, c'est ce besoin en fait. Hein. Vous avez envie de reprendre, de répondre à des besoins, mais vos besoins sont peut-être pas forcément les besoins actuels de l'autre également. C'est ça en fait. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Vos besoins sont peut-être pas forcément les besoins et surtout, elle a des choses, je pense qu'elle peut pas échapper en fait, cette personne, à ses problèmes. Hein. Elle est obligée de les régler. On vous dit bien, je suis moins exigeante envers mon âme, mais j'ai envie de dire envers cette personne aussi. Donc voilà. Donc on vous dit patience par rapport à cette situation, parce qu'un souhait va être réalisé, mais cette personne, elle a besoin d'attendre, d'être libérée d'une situation. Donc voilà, on va finir avec le message de vos anges, de Dorine Virtue, et on prendra également un message de Marie, reine des anges. Alors allons-y pour vous, les Verseaux. On a Chantal. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Et en dos, nous avons la victoire, Oméga, qui vous dit victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Donc vous voyez, tout va bien, hein. C'est vraiment très positif, hein. Vous dit de remettre un petit peu, hein, de la légèreté, par rapport à cette relation, d'être plus souple, hein, par rapport à l'autre. Hein. Et donc oui, cette personne, elle a besoin de se libérer d'une situation pour voilà, pouvoir venir vers vous, hein, sereinement, quoi. Sereinement, c'est surtout, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas apporter ses problèmes avec elle, en fait. Donc c'est pour ça, elle veut que ça puisse se résoudre, trouver des solutions avant. Et nous avons la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Et en dos, nous avons calme. Donc voilà, on vous dit, soyez calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Et guettez les signes, on vous dit. Vous allez avoir des signes et des signes, hein, qui vont vous permettre, voilà, de garder confiance en cette situation. Donc voilà pour vos messages, les Verseaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour vos likes, vos commentaires, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.